Bon Dieu béni, peuple matin. Bon Dieu béni au matin. Nous saluons au matin. On ouvre la Bible dans Romains chapitre 8. La seul grand verset matin à la gloire de Dieu, c'est verset 18. Et c'est là que le Seigneur voulait parler avec le peuple matin. Romains chapitre 8, verset 18 à la gloire de Dieu. Ça, c'est un message à l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. Dans l'être là, dans verset 18, il dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On nous dit amen. J'estime que les souffrances du temps présent ne saurait être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Matin, nous pourrons parler sur ce sujet ça, qui est très vaste. Un temps de souffrance pour une éternité bénie. Est-ce qu'on avait matin l'église? Un temps de souffrance pour une éternité bénie. Disons-moi, est-ce qu'on est d'accord tant de souffrance ce matin? Deuxième monde, est-ce qu'on est d'accord tant de souffrance ce matin? Un temps de souffrance pour une éternité bénie. On nous dit alléluia. À la lumière de la Bible, le chrétien est appelé à souffrir pour la gloire de Jésus, comme Jésus a souffert pour la gloire du Père. Son impératif lié de pour les chrétiens matin, ou doit souffrir. Est-ce que vous avez l'église? Ou doit souffrir à l'exemple de Jésus, à la manière de Jésus, parce que Jésus lui-même, il a souffert pour la gloire du Père. Mais une bagaille, je voulais attirer l'attention matin, c'est que Jésus t'a souffert pour une bonne cause. Est-ce qu'on avait matin? Jésus t'a souffert pour qui ça l'exemple? Pour une bonne cause. Et tout le monde matin qui a souffert pour la gloire de Dieu, ou a souffert pour une bonne cause. Disons-moi, est-ce qu'on sent que vous souffrez pour une bonne cause matin? Alléluia. Ou qui a souffert, mais on pas souffrir pour une bonne cause. Jésus-Christ, notre divin modèle, pendant parcours sous la terre, lisez exemple souffrance nous, elle t'a souffri pour une bonne cause. Jésus-Christ souffrit pour une bonne cause parce que raison d'être souffrant Jésus-Christ à même, c'est pour racheter l'humanité pour la glorification du Père. Jésus-Christ souffrit pour une bonne cause dans l'objectif de racheter l'humanité pour la glorification du Père. Ça fait notre grand frère Esaïe, dans Esaïe 53, il dit, et c'est parce que maître issu que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Chacun suivait. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Et dans l'affaire est tombée sur l'iniquité de nous tous, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes. Et si nous la matin, c'est parce que Jésus était d'accord souffrir. Est-ce que l'exil avait matin? Hein? Jésus était d'accord souffrir. Et il quittait souffrance comme trace pour nous matin. Bien-aimés frères et sœurs, face à la souffrance, il y a trois types de chrétiens. Face à la souffrance, il y a trois types de chrétiens. Et c'est ça, nous allons voir ensemble avec vous matin. Et nous allons identifier dans trois chrétiens qui est souillé. Face à la souffrance, nous dit il y a trois types de chrétiens. Premier chrétien, nous allons voir matin, face à la souffrance,
il y a le chrétien qui rétrograde. Est-ce qu'on avait matin? Est-ce qu'on avait matin? Le chrétien qui rétrograde. Ça veut dire, un chrétien qui a fait bac. L'expression rétrograder dans un contexte chrétien signifie s'éloigner de Christ au lieu d'avancer vers lui. Est-ce qu'on avait matin l'église? Des moun au lieu d'avancer vers Jésus, mais plutôt ça fait appel loi éloigné. Mais rétrogradation ça a plusieurs facteurs qui expliquent. Des moun non tant l'étape avancer vers Jésus. Mais face à la souffrance, au lieu d'avancer vers Christ, les plutôt éloignés. Et Mounsa, d'une manière spirituelle, lui tombe dans une crise de foi. Est-ce qu'on avait matin l'église? Est-ce qu'on avait matin l'église? Il y a plusieurs choses qui peuvent nous rétrograder matin. Il y a des gens, soit ils perdent leur travail. Après travail là, ils peuvent l'avancer encore. Ou pas la même. Est-ce qu'on fait matin? Des gens sont voyage. Depuis l'elfe voyager, ils n'ont l'autre pays. Pas avancer fait encore. Des gens tous sont mariage. Depuis l'elfe marié, veille de nuit pas intéressé encore. Depuis là, il vient marier vie de prière. Oh, elle t'a gagné. Qui t'a kembé en stabilité chrétienne. Il ignore ça honnête. Parce qu'elle a un garçon, elle a une femme. Qui a dormi dedans. Elle est confortable. Il rétrograde. Et c'est ça qu'elle a besoin. Et il y a un monde tout. C'est après la mort, un proche. Soit maman, soit papa, soit un frère. Soit on tonto que t'es qu'on est pour l'être, t'es qu'on est d'elle. Automatiquement, le père du monde, ça, il est rétrogradé. On dit alléluia. On nous dit alléluia. Bon sang de bagaille. Qui est capable de rendre le monde rétrogradé sur route là. Matin, je ne sais pas combien de chrétiens rétrogradent qui là. Je viens de ressaisir. Disons-moi ça, dit ressaisis-vous, ressaisis-vous, ressaisis-vous. L'île a tout. L'a chanté tout. Mais en rien pas traversé. L'autre pas, ouais, ou t'es piqué zèle dans l'évangile là. Mais par rapport, demande tout, c'est situation pays. L'elle garde, elle pas, ouais, espoir pour pays. Non, c'est physique, pas espoir. Mais dans Dieu spirituellement, il y a espoir. Est-ce que l'église a la même? Je ne sais pas si on a des lunettes ou des matins. Sous lit, non lunettes physiques, ou après la vie finie. Et par rapport au niveau complot, ça. Et comme si nous n'avons pas ton prince là, nous n'avons pas temps. L'église a la même, non? Nous n'avons pas temps. Nous n'avons pas cadré le pays là. Ou pas qu'à faire nord, pas qu'à faire sud. Pas qu'on compte qu'à faire. Et comme si on avait un plan, le gars de travail, ça, il faut rétrograder. Il faut perdre une vie de prière. Ah, est-ce qu'on l'a fait matin, l'église? Un ensemble de contextes. Le gars de contexte pays d'Haïti même, il descend nous spirituellement. Il doit à l'école ou à l'école, ou faire faculté ou bataille. Il y a pour travail, il y a une expérience de travail. Mais pour une expérience, je vais essayer déjà. Si je ne vais pas avoir expérience. 3 ans d'expérience, 4 ans d'expérience, yo coincé nous. Des gens qui rétrogradé. Souci la vie. Descends-nous, inquiétude, descends-nous. Et ça fait matin, moi, mais Paul. Paul dit, j'estime que la souffrance du temps présent. Et tout ça m'a dit, il fait partie souffrance du temps présent. Est-ce qu'on avait matin à l'église?
Est-ce que peuple bon Dieu avait matin? Gen moun même là le chita là, l'a traversé son crise de foi. Gen moun si trompette là ta sonné kounya, li nan kouri. Tandis qu'il y a année passée, 3 années avant, il était prêt. Mais maintenant, il n'est pas qu'à goumer encore. Il est rétrogradé. Il descend. L'autre contrat avec longtemps, c'est de Jésus qu'on parlait. Mais qu'on y a. C'est plein la plaie. Est-ce qu'on avait un matin à l'église? C'est plein la plaie. Longtemps, l'autre a un problème au monde. C'est quand on vient le parler. Mais qu'on y a. Moi, la majorité chrétienne a tiré point sous statut WhatsApp. Et retrograde, oui. Il a tiré point sur Facebook. Quand les chrétiens ont tiré point, là, nous avons un problème. C'est rejoindre pour nous chita, oui. Est-ce qu'on a l'église là? C'est réunion pour nous faire, oui. Et pas point pour tirer, point à droite, à gauche. Non, pratique ça, yo. Ils n'ont pas dans l'évangile de Jésus-Christ. Si on a pratique ça matin, on rétrograde. On descend. Jeune fille, jeune garçon, madame mariée, monsieur marié, vie adulte. Maintenant, si on a pratique ça, yo. Il n'y a pas de gens entrer là-dedans, yo. Mais contexte pays, il faut entrer là-dedans, yo. Si on d'accord rentrer, c'est parce qu'on est trop gras. Est trop gratté. On dit tomber de job maintenant. L'apôtre Paul. Mandé pour nous rendre monde ça en service. Dans Galates chapitre 6 verset 1. Paul dit frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de doux, de douceur. Est-ce qu'on avait matin l'église là? Un esprit de douceur, redressez-le. Moun qui rétrograde, ah oui, Bible a dit faut nous redresser avec un esprit de douceur. Ma konn combien moun qui tombe devant verset ça. Et verset a pas arrêté là seulement non. Il dit prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Dans mon souligner ça dans Bible, prends garde à toi-même. Pendant ma pour redresser avec un esprit de douceur. Faut me veiller moi-même. Est-ce qu'on avait matin l'église? Mais quand on a un qui a un esprit de douceur matin. Je ne veux pas faire pour nous. On fait ça à l'évangile. Il y a des gens. L'autre est l'église, l'autre est en l'air. Mais l'autre est son petit côté là pour cacher. Il faut qu'on dise ça. Ça, c'est pas ça même. C'est qu'on traverse ça. Est-ce qu'on a l'église? Avec douceur. Si la Bible a fait provision ça, c'est parce qu'elle connaît des gens qui ont retrogradé. Comment on a fait la matinée l'église? C'est parce qu'elle connaît des gens qui étaient capables d'avancer maintenant, qui ont fait bac, qui ont allé vers l'arrière. Nous devons redresser. Vous parlez avec nous? Est-ce que le peuple d'Elma 33 a fait matin? Nous devons redresser. Et pas à terre pour la gueule encore. Et pas piler pour piler encore. Pour abdi mal cochon, mal chien, m'dire ça pour non, c'est redresser avec douceur. C'est Jésus pour aller retourner. Avec tendresse, go trompette qui pour aller sonner. Ressez ou non, là pas là, bon ça pas bon non, pas tirage ça pas tirage ou. Est-ce que le peuple mon Dieu avait matin avec douceur? Faut faire le connaître. Même si route la difficile, mais Jésus a continué qu'un bébé. Quand Jésus a qu'un bébé nous matin. Moi même on te dit que moi qu'on fatigué, découragé sur route là. Et puis Satan qu'on vient tenter nous. Mais n'attend le Seigneur. Est-ce que l'église la même? Non non, chemin pas facile, mais Jésus marche avec nous. Est-ce qu'on avait l'église là? L'hypothèse, fardeau nous, alléluia. Grâce lui, fait que nous réjouis.
Amen, amen. Amen, amen. Le chrétien rétrograde. Maintenant, il y a plus le monde. Il y a des choses qui fait des choses pour vous. Mais parce que, sous vous, tout est là, vous avez fait bac. Ils ont ressaisi au matin. Ça, c'est provision. L'apôtre Paul fait. L'apôtre Jacques, dans Jacques chapitre 5, verset 19, lui dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Ah, vous voilà, non? Vous voilà, non? Est-ce qu'elle examine maintenant? Jacques 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Disons-moi ça, nous avons un travail pour faire matin. Disons-moi, nous avons une communauté, nous avons un travail pour faire matin. Aïe, aïe, aïe. Il y a des réflexions, mon abbaye. Il commence à égarer. A ou pas la même dans l'église. Il commence à quitter l'île. Il y a un tempérament, il y a un langage, il n'y a pas de langage. Ça. Mais je dis à ce que la Bible a dit que notre. Les ramène. Ramenez-le avec douceur. Ramenez-le avec tempérance. Ramenez-le avec l'amour. Est-ce qu'on a l'église là? Ramenez-le avec l'amour, vous voulez dire ça? Gardez où tout on a rétrogradé. S'il le faut, même prier, il faut prier pour lui. Même jeûner pour lui. Est-ce qu'on avait matin à l'église là? S'il le faut, il faut aller au minuit. Il faut aller au inès du matin. Pour aller contre mon Dieu. Vous dites non, 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 pas d'accord. Il faut payer le prix pour lui. Il faut intercéder pour lui. À l'exemple de Jésus. Jusqu'à présent, Jésus a intercédé pour nous. Si Jésus a intercédé pour moi, il faut m'intercéder pour Frère. Il faut m'intercéder pour Sem. Est-ce qu'on avait l'église là? Alléluia. On dit face à la souffrance. Première catégorie chrétien. Le chrétien qui rétrograde. Son catégorie qui n'a mis tant nous. Mais elle commençait à perdre espérance. Est-ce qu'on avait matin l'église? Elle commençait à perdre espoir. Elle commençait à désespérer. Elle commençait à perdre la foi. Elle traverse son crise de foi. Il y a une possibilité matin pour nous ramener, pour le ressaisir. Alléluia. On avance. Deuxième catégorie de chrétiens face à la souffrance. Le chrétien qui renonce. Qui est deuxième catégorie l'église? Le chrétien qui renonce. Maintenant, je vais prendre un personnage dans la Bible pour me montrer qui est le chrétien qui est vague. Demas, dans les épîtres canoniques pauliniennes, dans Philémon, Paul présentait Demas comme un compagnon, comme un bon nègre. Demas, non seulement on compare mes amis fidèles. Est-ce qu'on avait matin à l'église là? Est-ce qu'on avait matin à l'église là? Hein? Paul, en captivité à Rome. Paul sent-il fort? Parce que Demas, bon côté, Demas avait. Regardez, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui avancent. Ils sont tous forts dans la souffrance là. Comment tu avais là à l'église là? Hein? Gardez vous à souffrir. Comme on dit, bon, on appelle seulement. On mot de consolation seulement. On sent tout fort. Alléluia. Pendant Paul a souffri des masses de côté. Comme si des masses dit Paul. En allant, aller son route qui comme ça. Et comme si des masses a dit Paul, il était déjà passé route ça. Jésus passé route là, on a suivi pas à pas. Est-ce qu'on a fait l'église là? Donc nous pas peur de souffrance. Papa n'est un angel comme ça. N'a pas chanté. Dans le soleil, dans le feu noir. N'importe ça qui vient. Femme chanter. Est-ce qu'on a fait matin? Femme chanter, m'a arrêté. Alléluia. Dans Colossiens chapitre 4, verset 14. Paul écrit l'église Colosse. Il dit, me salue nous. Luc, le médecin, vous salue. Ainsi que Demas, vous salue. Est-ce qu'on avait matin? Est-ce qu'on avait matin? Soyez là.
L'église de Colosse réjouit parce que une équipe qui a Paul. Des masses dans l'équipe là. Dans Philémon, chapitre 1, verset 24. Parce que Philémon, c'est un membre de l'église d'Éphèse. Mais à la seule différence, l'église a été réunie dans la maison de Philémon. Paul voit l'être là encore pour le fortifier chrétien. Il dit, saluez-nous. Ainsi que Démas, saluez-nous. L'église, il connaît Paul en captivité, c'est vrai. Mais Démas avait elle. Qu'on avait matin l'église. Il y a un compagnon qui avait elle. Alléluia. Je vais aller tourner dans 2 Timothée 4, verset 10. Paul pour aller écrire l'église là pour lui dire Démas m'a abandonné par amour du siècle présent. Est-ce que l'église a la même? Matin, je ne sais combien de disciples Démas qu'il a. Je ne sais pas combien de disciples Démas qui attendent nous. Non, tant ta bataille. Mais actuellement là, qui dépose les âmes? Ah, ou pas la même dans l'église? Est-ce que l'église est là avec matin? Hein? Est-ce qu'on avait matin, hein, peuple bon Dieu? Démas dépose les âmes. Il dit, Paul, je siècle présent ça aïe. M'baye vague. Je bagaille là, aïe là. M'baye vague. Je situation aïe là. M'quitte ça. Est-ce qu'on a l'église là? Je bataille là et là, je ne vais pas battre encore. Je dépose les armes. Je quitte ça. Je bataille là et là, je négocie. Et je contexte là et là. Et pas décréter pour négocier déjà. De pour négocier, disciple de Démas. Jusqu'à présent, Démas est mort, mais l'esprit de Démas vit maintenant. Amen. Est-ce qu'on avait un matin à l'église là? Des pasteurs, disciples de Démas. Des diacres. Ah, l'église n'a pas la même, non? Des prédicateurs, disciples de Démas. Ils ont abandonné. Yo bay vague. Yo pas là encore. Yo quitté l'ina. Matin, si les disciples de Mas captent de nous, nous venons nous ressaisir matin. Il y a possibilité pour retourner encore. Est-ce que l'église a l'avait, hein? Est-ce qu'on l'avait matin l'église? Il y a moyen pour qui ça? Pour retourner encore. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 13, versets 20 et 21. Tendez l'église. L'idée qui est en bas, ils ont aperçu sous catégorie ça. Mais ça le dit. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. L'aller. L'y abandonner. Par amour du siècle présent. Le siècle présent, c'est le temps actuel. Est-ce que l'exil a même? Le siècle présent, c'est la culture actuelle. C'est la conception actuelle. C'est l'idéologie actuelle. Et idéologie, ça n'est pas des mondes qui peuvent manger. Disciple de Démas. Ça, c'est la deuxième catégorie. Le chrétien qui renonce. Il y a des gens qui disent, comment ça y est? Il va pas dire qu'on a battu encore. Non, là, on a gardé sans prendre. Disciple de Démas. Comment ça y est? Comment ça y est? Ou pas, j'en paye, n'a pas de l'eau pour nous faire paix.
ça est le gars disciple de Demas. Comment ça y est? On bec on Zoël, disciple de comment ça y est? Non papay, disciple de Demas. Avancez! Disciple de Demas. L'abandonné. Il va y avoir. Pour l'amour du siècle présent. Il y a madame, il y a petite. Il n'y a pas de raquette. Mais siècle présent, la gueule dans la raquette. Pas l'exemple à la vie. Siècle présent, la gueule dans la raquette. La gueule dans la raquette. Il y a un langage. Siècle présent, la gueule dans la coquette. Il faut le vivre. Bouche l'iphone, faut le manger. Ah, ou pas la veine dans l'église? Disciple de Demas. Alléluia. Ma belle femme pour m'a souffri. Ma belle femme, la parole dit trembler, ne péchez point. Ma non, c'est ça. Disciple de. Et des masses. Chrétien, ça y est, il y a vague. Il y a raquette passé au bagage. Ça a duré, l'église. L'homme est sérieux, non, tant. L'elvine pas sérieux. Des boutons en bas, mais la fin avant, oui. Pas nous parler, l'église. La fin avant. Parce que le texte a dit, ayant perdu tout sentiment. Ah, sentiment, elle perdu. Depuis, elle perdu sentiment, elle pas bon, mon encore. Depuis elle perd du sentiment Jésus, il y a confiance ou pas qu'à faire encore. Est-ce qu'on avait maté en l'église là? Depuis elle perd du sentiment Jésus, mais ma colère doit parler. Ou on vient parler avec précaution parce qu'elle a présent. Perd du sentiment. Même la main doit parler. Ou on vient parler avec précaution. Pour nous parler la main, elle a gratté la main. Elle a pesé la main. Parce que sentiment Jésus, elle perd. Perdu. Il va gagner crainte encore. Disciple de Demas. C'est présent. Beauté la lavelle. Est-ce qu'on avait un matin? Et Jean-Pierre Isaïe est là. Condition réunion. Pour ta grand pile Demas dans le temps. Avant l'exemple à la même. Ah, qu'on voulait le combat. Bagayou devant nous. Condition réunion. Pour ta grand pile de masse. Le gars, nous sommes des nègres, nous payons taxes, nous payons. Nous n'avons rien comme service. Absolument rien. Dans ce nous tous nous voyons. Gon roulement gaz. On va être diablier, oui. Ça. Son complot. Nous avons détaillé déjà. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Condition ça, au cas fort aux disciples de Massé. Ou qu'on entraîne dans le complot à tout. Ou qu'on entraîne dans le coquin à tout. Ou qu'on entraîne dans mes dames à tout. Est-ce qu'on l'a avec l'église là? Ou qu'on entraîne dans la combinaison à tout. Mais on troisième catégorie. Face à la souffrance. Troisième type de chrétien, c'est ça, le chrétien inébranlable. Est-ce qu'on a catégorie ça, matin? Disons-moi, est-ce qu'on a troisième catégorie? Hein? Ah, dis-moi deuxième, ça dit, est-ce qu'on a troisième catégorie? Hein? Oui! Le chrétien inébranlable. Les apôtres Paul a parlé dans Romains 8, verset 18 là. Ça, son chrétien inébranlable. Qu'a parlé. Pour me dire, j'estime que les souffrances du temps présent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire les souffrances du temps présent. Quel que soit Jean ou M. Victoire. Est-ce qu'on avait là l'église ça? Est-ce que les chrétiens inébranlables là? Chrétien qui ferme, non? Même la barre, elle arrête la avancer. Est-ce qu'on avait maté à l'église là?
Alléluia. Même les circonstances paraissent noires, mais chrétien inébranlable. Comment chrétien inébranlable là matin? Avancez. Le sang de Jésus. Le chrétien inébranlable de tous les temps. Nous allons faire un petit parcours biblique avant. Nous avons la carrière de 1 Roi chapitre 19, verset 7. Jézabel envoya à Élie une terrible menace. Menace a tellement raide pour Élie. La Bible a dit Élie prend la fuite. Élie le prophète. Élie prend qui ça l'église? Élie prend la fuite. Élie n'a couru. Menace la raide pour lui. Bible a dit pendant Élie n'a couru, Élie fait une journée de marche. Élie marchait pendant 24 heures. On va la même dans l'église. Et après 24 heures de marche, Élie fatigué, Élie cache son côté, l'a reposé. Mais c'est ça dit oui, fatigue dans corps et on a une menace sous dos. Je ne sais pas si vous avez une situation élite. Est-ce qu'on avait l'église là? Est-ce qu'on avait l'église là? Mais pas oublier, Élie, au péril de sa vie, il doit un prophète inébranlable. Inébranlable. Dans 1 Roi, chapitre 19, verset 7, là, pendant Élie a reposé, la Bible a dit l'ange de l'éternel paraît. Il frappe Élie. Il dit lève-toi. Mange. Car ta route est trop longue. Est-ce qu'on va faire matin? Qui ça a dit? Il dit, lève-toi et mange. Ton chemin est trop long. Ta route est trop longue. Mange. Et il mangeait. Et il mangeait. Oh, oh. Ben là, arrête encore. Pendant que tu dormis, prends Eli encore. Les anges parlent pour une seconde fois. Il dit, lève-toi. Ou pour qu'on finisse manger. Mangez toujours. Comment on va manger matin là? Comment qui d'accord manger matin là? Si vous ne pas manger, vous tomber dans la route là. Est-ce qu'on a l'église là? Si vous ne pas manger, vous tomber. Et il mangeait, il mangeait. Là, il finit de manger. La Bible a dit, il a une force qui entre sous lui. Et il fait 40 jours. Est-ce qu'on a l'église là? À marcher, sans fatiguer, sans bouquer. Ça veut dire qui ça? Chrétien inébranlable là. Son chrétien toujours à nourrir. La paix mon Dieu avant l'église là. Son chrétien qui toujours à manger. Son chrétien qui a fait dépôt. Quoi qui a fait dépôt matin là? Matin, je vais nous lever pour manger. Lever pour faire dépôt. Ta ou t'es long, jeune garçon. Alléluia. Lever pour faire dépôt dans la prière. Ta route est longue, ta missionnaire. Aïe. Lever pour faire dépôt, prédicateur. Ta route est trop longue. Musicien, lever manger pour faire dépôt. Ta route est trop. Alléluia. Route la longue. Il y a un niveau pour résister. Il faut te garder de nourriture en dépôt. Pour Kakimbe. Est-ce que le peuple a là? Est-ce que l'église a là avec matin? Est-ce qu'on avait? Lorsque l'apôtre Paul a dit mon fils Timothée, gardez le bon dépôt. C'est là que je viens de comprendre. Et comme si Paul dit Timothée, ou de la langue en pile. Il faut faire dépôt. Même si tout le monde va dans la cour chanter, il faut me faire des pots cantiques. Alors, est-ce qu'elle existe là-même? Route la langue. Parce que mon côté m'a privé sur route là, son cantique m'a pris aller pour me faire là. Est-ce qu'elle existe là-même? Son cantique m'a pris aller quand il dit qu'elle me ferme jusqu'à ce que ça finit. Qu'elle me ferme. Est-ce qu'on a l'église là? Jusqu'à Christ fini. Qu'elle me ferme, puis gars ou la gueule. Les Jésus là, nous ne pas fatigués. Est-ce qu'on a même l'église là? C'est cantique pour qu'il y ait des pots. Le faire pour manger. Aïe! Alléluia! Levez pour manger. Gen lèk pa ka pran nan kabann.
Mais il y a pour défoncer l'or pour faire dépôt la prière. M'a fait dépôt dans les jeûnes. M'a fait dépôt dans la consécration. M'a fait dépôt. Dans petit temps break n'est pas dans journée. Et pas blague m'a bail. Et pas radio m'a parlé de nouvelles, etc. Pendant tout mon a parlé, j'ai regardé la red. Même non petit coin de bio m'a fait dépôt. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant les brèches, m'entrer en haut, je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, tu ne peux porter, c'est le tefado. Dis tout à Jésus, c'est lui qui donne. Alléluia! Oui! N'avons la machine, on m'a fait des pots. Dieu m'aime, je suis ton enfant. En sa fidélité, j'espère, dans tous les combats, il veut me rendre en fait des pots. Il dit, il ne faut pas manger. Ou pas faire 40 jours à marcher, non? Tentateur là, sous route là, il faut gagner des pots pour gagner. Est-ce qu'elle existe là, vraiment? Tentateur là, la plante ses flèches, la plante ses missiles. Ou attendez, missiles, yo. Ou faire face à missile, manger. Est-ce qu'on l'a avec l'église? Manger. Lève-toi et mange. Gardez mon m'a dit ça. Sous dos Jésus-Christ. Sous pas d'accord manger, je dis. L'arrivée aux États-Unis. Ou à chiter. L'église va là. Sous pas d'accord, mangez. Pour qu'il y ait des dépôts, pour qu'il y ait assez dans des dépôts, l'arrivée au Canada. Grand goût a dit oui. Et de niveau grand goût, ou à manger, sans pas de jambe penser qu'il y a mangé. Ou à manger, sans pas de vouloir manger. Est-ce que l'église a la même? Regardez dans Luc 15 là. Garde un fond prodigue. Et pas vouloir le diable manger cochon, non? Mais le fait que situation mette le non côté, si vous ne mangez pas, vous mourir. Mangez, attendez. L'Esprit de Dieu dit m'dou matin manger. Ou de la langue. Qu'on est d'accord, ou de la langue là, hein? Ou de la langue. Lève-toi et mange. Ou pas qu'un chrétien inébranlable. Sous pas gain dépôt. Sous pas gain dépôt, attendez. Sous pas gain réserve. Parce que route la langue. Ou qu'à comprendre, il finit de manger. Il marche 40 jours, 40 minutes. Sans fatiguer. Ça veut dire, dans pile menace, il a fait face avec eux. Il n'a pas ébranlé. Il a assez d'énergie pour l'avancer. C'est là l'apôtre Jacques dit l'église là, résister avec une foi ferme. C'est-à-dire pour résister, il faut te faire des pots. Tout le monde a fait l'église là. Des pratiques, depuis jeudi à là, sous pas gagner, ou maintenant courir puis devant. À nous parler avec nous l'église là. Bon, société a privé la donne. Ou pas de temps pour l'église. Société a dit travail, 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 travail. Contexte a dit, travail 24 sur 24. Ou est-ce que vous pas de temps, vous avez un dépôt. Pendant que vous travaillez là, même à travail, mais quand vous travaillez. Comment vous avez fait l'église là? Quand vous travaillez. Quand vous travaillez parce que vous avez un dépôt, es-tu là, c'est rempli de tristesse? Dis tout à Jésus. Son cœur est ouvert à ta voix sans cesse. Est-ce que vous avez fait l'église là? Dis tout à Jésus. Ou dans le bagage, et pour demain, ce que tu redoutes. Dis tout à Jésus. Il est près de toi le long de la route. Est-ce qu'on va matin l'église? Dis tout à Jésus. Combien son accueil est doux. Il peut comprendre. Il aime à t'entendre. Dis tout à Jésus. On nous dit alléluia. Alléluia. Le chrétien inébranlable. Face à la souffrance. Mais troisième catégorie de chrétiens. Le chrétien inébranlable. C'est le chrétien d'accord pour l'avancer.
C'est chrétien qui a nourri en espérance. C'est chrétien, même si l'orage, tempête, gros vent, rien pas qu'à déraciner. La paix, mon Dieu, à l'église. Moi, mon texte, ça me dit que les chrétiens sont inébranlables. Non, somme premier. Ça me dit il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit. Est-ce qu'on avait l'église là? Quelle que soit la saison, ma pote fuit. Dans la souffrance, ma pote fuit. Dans la joie, ma pote fuit. Dans la tristesse, ma pote fuit. On t'a dit dans la joie ou la tristesse, je vais te suivre en tout lieu. Toute ma vie à l'avance, je te la porte. Le chrétien inébranlable. Maintenant, pourcentage n'est pas trop élevé. L'homme dans la première catégorie, le chrétien qui rétrograde, pourcentage est élevé. Le chrétien qui renonce, est élevé. Mais dans la troisième catégorie, le chrétien inébranlable. Ça va remplir. Pourcentage est très faible. Il est très minime. Mais maintenant, peuple bon Dieu, puisque l'apôtre Paul dit, la souffrance du temps présent ne souhaite être comparée à la gloire à venir, pour inébranlable, il faut qu'on vision de la gloire à venir. Comment on fait matin là, l'église? Pour inébranlable, il faut qu'on vision de la gloire à venir. Exactement, avant de commencer à prêcher, l'Esprit de Dieu met sous kem pour me déchanter, moi, qu'on est un jour, qu'on parmi va finir. L'aime arrivé. Ça dit autant de fois pour qu'on arrive dans la ville céleste là, femme bataille. Comment qui d'accord bataille là, l'église? Femme bataille cette fois plus. Comment qui a bataille cette fois plus là, l'église? Ça dit même si va guillot monter ma bataille plus raide. Là, pas mon diable, l'église. Même si je ne pas personne ma bataille, plus raide. Moun avec ma bataille, je ne pas moun ma bataille. Quelle que soit la circonstance, j'en peux y aller. Ma bataille. Pirède, parce que chrétien inébranlable là, son chrétien, pas grand rien qu'à de outel, pas grand rien qu'à de vieux. Maman allez pas qu'à retirer le caïmon Dieu, papa allez pas qu'à retirer, frère allez pas qu'à retirer, Marie allez pas qu'à retirer, madame allez pas qu'à retirer, parce qu'elle est son chrétien qui inébranlable. Le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.